Bonjour à tous et bienvenue dans mon top 12 des patrons maqueristes. Alors, je suis débutante en couture et j'ai découvert maqueriste pile poil au bon moment parce que je suis tombée sur leur week-end des patrons à 2 euros. Donc, ça se passait, il me semble, du 17 au 19 juin. Donc, à cette occasion, j'ai fait le plein de patrons, on va dire. J'ai découvert pas mal de créateurs très très sympas. Donc, pour ceux qui débutent comme moi et qui ne savent pas ce qu'est Maqueriste, c'est une plateforme qui vend des tissus, qui propose des patrons aussi. Et en fait, elle permet à des créateurs de mettre leurs patrons en ligne sur leur site. Voilà, donc ma sélection s'est portée sur les patrons à 2 euros. Il faut savoir qu'il y en avait plus de 3000 et le choix était rude. voilà, donc moi j'ai des enfants qui sont ados maintenant et qui mettent des tailles adultes, donc je ne me suis pas du tout intéressée aux modèles enfants. Donc dans cette sélection, il y a 11 modèles femmes et un modèle homme. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, je sais que Maqueriste fait cette opération des patrons à 2 euros plusieurs fois dans l'année, deux ou trois fois il me semble. Et ils ont une newsletter, donc je pense qu'en étant inscrit à cette newsletter, on peut être informé. Voilà, donc on passe tout de suite au top 12. Donc en 12e position, j'ai choisi de mettre le pull Elora de l'atelier Do and Smile. C'est un pull qui peut paraître assez simple, mais moi je le trouve très féminin et élégant et en même temps confortable. Donc il a pas mal de qualités. Alors, c'est un patron qui existe de la taille, je vous trouve ça tout de suite, de la taille 34 au 50. Voilà, pour les patrons où je pouvais vous avoir un dessin technique, je vous le montrerai en même temps. Là, je vous mettrai juste une petite image de ce que ça peut donner. Donc, ce pull, moi, je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit. J'aime aussi cet effet. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle des manches ballons, parce que pour moi, des manches ballons, c'est des manches qui sont bouffantes au niveau de l'épaule. Là, c'est bouffant au niveau du poignet, mais je trouve ça très, très joli aussi. En 11e position, on a la robe Isia de l'atelier L'usine à bulles. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette créatrice qui s'appelle Lauriane. Et donc, du coup, vous allez retrouver plusieurs de ses patrons dans ma sélection. J'aime vraiment ce qu'elle fait et les patrons sont super bien expliqués. Donc la robe Isia, elle existe du 34 au 52. Donc là, j'ai un petit dessin technique à vous montrer. Donc elle indique qu'il y a 18 versions parce qu'en effet, on peut faire un t-shirt, une tunique ou une robe. Et il y a différentes encolures et différentes emmanchures. Voilà, donc je vous mettrai également un visuel de ce que donne la robe portée. Alors, c'est pas moi, hein, bien sûr, mais un visuel que je vais trouver sur Internet. J'aime beaucoup cette robe parce qu'en effet, elle est près du corps jusqu'à la poitrine. Après, elle s'évase. C'est la parfaite petite robe pour l'été, confortable, je trouve. Et du coup, ce modèle me plaît beaucoup. En 10e position, on a le pantalon Pepa de l'atelier Schnitt Manufacture. Voilà, c'est un sarouel, enfin, c'est un pantalon inspiration sarouel. Donc moi j'aime beaucoup les sarouels, mais j'aime pas forcément la bande de tissu qui est entre les deux jambes. Donc du coup j'aime beaucoup ce pantalon. Voilà, alors moi j'ai une préférence pour la version sans les bracelets de cheville, mais apparemment c'est la plus compliquée à coudre. Donc bah, écoutez, on verra ce que ça donne. En 9e position, nous avons la robe Maëve de l'atelier Made by Oranges. Alors, elle est proposée du 36 au 52. Voilà, donc je n'ai pas de dessin technique pour ce modèle, mais je vous mettrai un petit visuel. Voilà, moi j'aime beaucoup la bande contrastante au niveau de la taille. Et je pense bien que je vais me la coudre pour cet hiver. En 8e position, nous avons la robe Margot de l'atelier Comme une fleur. Alors, elle la propose du 32 au 56. Et donc là, j'ai un petit dessin technique. Donc, c'est à nouveau un patron généreux, comme j'aime bien les appeler, comme pour la robe Isia. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire une blouse, enfin, il y a plusieurs versions, blouse, robe. Moi, j'aime beaucoup le petit nœud qui ceinture à la taille. Et je vous mets tout de suite une photo ici. En 7e position, on a le modèle homme de cette sélection, c'est le t-shirt SCAP de l'atelier Gael & Sue. Donc j'ai un petit visuel. Donc c'est un t-shirt qui a de nombreux empiècements
Et je pense qu'on peut vraiment le personnaliser à souhait. Donc voilà, je vais pas le coudre tout de suite parce que le jersey ça me fait un peu peur. Mais dans quelques temps, je pense que je vais en faire quelques-uns pour mon fils. Pardon. En sixième position, on retrouve un patron de l'usine à bulles. Cette fois-ci, il s'agit d'un suite, le suite Aya, donc, qui est disponible du 34 au 52. Et donc voici le petit dessin technique. Alors c'est le gros suite oversize. Moi j'adore le col. À porter au-dessus d'un legging, ça va être parfait. Et même sur la photo, vous avez vu qu'elle le portait sur une robe et que ça rend très très bien aussi. En cinquième position, nous avons la blouse aérienne de Marisa MLM Patron. Voilà, donc la blouse aérienne, elle est proposée du XS au XXXL. Donc voilà ce que donne le dessin technique. Elle est toute simple. Hein. Je pense que ça va être un modèle vraiment très facile à coudre. Et c'est chouette. Et moi, j'aime bien l'effet à la fois féminin et loose de cette blouse. Ensuite, en quatrième position, nous avons une veste. C'est la veste Lola des ateliers Jackie L. Donc c'est une veste style perfecto. Moi j'aime beaucoup. Il y a plusieurs cols, on peut la faire de façon un peu différente. Il y a des petites versions différentes. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup la version que vous voyez en photo et en suédine. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. La suédine est vraiment d'une belle couleur. Donc quand je maîtriserai peut-être un petit peu mieux la couture, je pense que je me lancerai dans la confection de cette veste. Ensuite, nous arrivons au top 3 de cette sélection. Donc, en troisième position, de nouveau, un patron l'usine à bulles. Donc, cette fois-ci, c'est la robe Moon. Donc, du 34 au 52. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Alors moi, j'ai une préférence pour la version B, la version avec les manches au coude et le gros col. Voilà, donc une robe que je risque aussi de me coudre pour cet hiver. En seconde position, nous avons une robe salopette de l'atelier Vicolo numéro 6. Donc je vous mets le petit visuel, je la trouve très très jolie. Voilà le dessin technique qui lui rend pas hommage, je trouve, parce que portée, elle rend beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est un modèle qui va du 38 au 50. Voilà, donc il y a des petites variantes aussi. Et en première position de cette sélection, nous avons le modèle Osiris de l'atelier Gaël & Sue. Donc, les photos portées parleront mieux, je pense, parce que le dessin technique... Donne quelques informations quand même. Alors, ce qu'on ne voit pas du coup ni sur le porté ni sur le dessin technique, c'est que c'est un patron 3 en 1. C'est un patron où il y a un haut, une jupe et une robe. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour la robe. Je trouve cette robe vraiment très féminine, très jolie. Et voilà, je pense qu'elle mérite bien sa première place. Donc voilà pour cette sélection, c'est le top 12 personnel hein, des patrons makeristes. Alors je précise, mais je suppose que vous vous en doutez parce que c'est ma première vidéo, que je n'ai aucun partenariat avec makeristes ni avec aucun atelier des patrons que je vous ai présentés. C'est vraiment mes coups de cœur à moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.